Coucou les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, il y aura plusieurs recettes dans cette vidéo. Recette d'un pain maison pour faire des sandwichs et également d'une sauce blanche pour accompagner en fait ce sandwich. Et je vais vous montrer également la marinade du poulet que j'ai fait pour mettre dans ce sandwich. Allez, on va pouvoir préciser les détails de cette recette. Donc dans un premier temps, on va bien sûr faire le pain maison. Donc pour cela, il vous faudra donc de la farine. Vous voyez, je vous mets sur la vidéo directement le grammage des recettes. Comme ça, c'est plus simple si vous voulez la reproduire, la recette. Et il vous faudra également de la semoule extra fine. Comme je vous le montre là, c'est ce paquet, moi, que je prends, la marque Le Renard. Donc, vous allez mettre avec de la farine la semoule extra fine. Voilà. À cela, vous allez ajouter 300 ml d'eau. On va mettre un sachet entier de levure boulangère sèche. Une cuillère à soupe de sucre. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, et une cuillère à café de sel. Donc ce sera tous les ingrédients pour réaliser ce pain. C'est un pain très très fin, hein, très fin pour qu'on puisse le rouler quand on fera nos sandwichs. Donc là, on a pétri 10 minutes. On va fariner un petit peu pour éviter que ça colle. Donc vous voyez, la texture, c'est vraiment une texture assez très très molle. Limite un peu collante. Donc, on va filmer et on va laisser reposer pendant 2 heures pour que ça gonfle. Voilà, au bout de 2 heures, vous voyez, ça a doublé de volume. On va pouvoir dégazer notre pâte. Toujours prendre un petit peu de farine pour éviter que ça colle aux mains. Et puis, on va également en mettre sur notre plan de travail. Voilà, je vais enlever ma pâte et la dégazer en même temps. On va vraiment bien la dégazer en la travaillant avec les mains. Voilà, là j'enlève toutes les bulles d'air. Et on va faire nos petits pâtons pour réaliser nos pains. Donc pour cette recette, ça m'a permis d'avoir 5 pains à sandwich. Donc vous voyez, là je vais l'étaler de manière très très fine. C'est des pains pour les sandwichs, donc faut pas qu'il y ait d'épaisseur, sinon ce sera trop lourd, hein. Voilà, je vous en remontre un deuxième. On étale bien, très très fin. Et on farine toujours pour que ça colle pas. Vous voyez, on voit pratiquement mes mains, hein. C'est très très fin. Donc là, il n'y a pas de temps de repos. Une fois qu'on les a étalés, on les met directement en cuisson dans une poêle ou sur une plancha. Moi, j'ai utilisé les deux pour aller plus vite. Et on les retourne. Dès que ça bulle un petit peu, on les retourne sur l'autre face. Vous voyez, ça va faire des bulles. Ça va gonfler un petit peu. C'est tout à fait normal. Dès que vous voyez que ça gonfle un peu, vous les retournez sur l'autre face. Voilà, mes pains à sandwich sont prêts. Surtout, ne pas les laisser à l'air libre, sinon ils vont durcir, ils seront immangeables. Les mettre dans des torchons et les recouvrir, comme j'ai fait moi, pour qu'ils restent moelleux et que vous puissiez les rouler quand vous ferez vos sandwichs. Et laissez-les dans les torchons jusqu'à ce que vous fassiez vos sandwichs, hein. Vous voyez, là, je les roule facilement parce qu'ils sont restés moelleux puisqu'ils sont restés dans le torchon. Donc là, on va passer à la marinade de nos émincés de poulet. Donc, j'ai pris des escalopes de poulet que j'ai coupées en lamelles. Donc là, je vais ajouter un yaourt brassé ou bulgare ou grec, hein, comme vous voulez. De l'huile d'olive.
du sel et ici on va également mettre une cuillère à café de coriandre en poudre. Ça va très bien avec le poulet et dans les sandwichs, cette épice-là. Une cuillère à café de paprika. De même pour le gingembre. Et on va également mettre une demi-cuillère à café de cumin. C'est assez fort le cumin, donc juste une demi-cuillère à café. Et on va mélanger tout ça pour que la marinade aille dans tout le poulet. Voilà ce que ça donne. Et on va filmer et laisser de côté pendant au moins 1 heure pour qu'on ait bien le goût dans le poulet. Une fois que ça a mariné, on met une noix de beurre dans la poêle et on fait revenir ça à feu vif pour les dorer. Donc là, on a réalisé notre pâte à pain, notre pain, nos escalopes de poulet. Et là, on va passer à la sauce blanche. Donc pour cela, il vous faudra 2 cornichons, une échalote. Vous allez tout mettre dans le mixeur et un yaourt brassé. Ce mélange, vous allez le vinaigrer, vous allez mettre 2 cuillères à café de vinaigre. Vous allez mettre 1 cuillère à café d'huile d'olive, du sel et un tout petit peu de poivre. Voilà. Il n'y a plus qu'à mixer et notre sauce blanche est prête. Elle est super bonne. Elle a un petit goût acidulé et pour les sandwichs de poulet, ça va très très bien. Donc je l'ai mixée, je la range, je la filme et je la réserve au frais jusqu'à ce que je fasse mon sandwich. Elle est aussi simple que ça, cette recette de sauce blanche. Voilà, donc on a tout préparé, on a fait notre pain, nos émincés de poulet et notre sauce. Donc là, dans une assiette, j'ai tout préparé, ma salade verte, mes tomates coupées en tranches, mes oignons, mes cornichons, et j'ai sorti ma sauce blanche. Donc je mets un peu de crudité sur mon pain. J'ajoute mes émincés de poulet. Je vais mettre la sauce de mon choix. Là, par exemple, j'ai mis du ketchup et de la harissa. Et je termine par un petit peu de sauce blanche qu'on a fait au préalable. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben vous n'avez plus qu'à rouler votre sandwich. J'ai également ajouté un petit peu de fromage en tranches. Ici, c'est de la mimolette. Et je roule et je vais passer ça au grill 2 minutes. C'est important de le passer au grill parce que c'est franchement meilleur. Et ça le réchauffe en plus. Donc je vous remontre un deuxième exemple. C'est mieux de mettre le fromage en premier. Hein. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, mais c'est mieux de mettre le fromage sur le pain en premier. Vos crudités, votre sauce, votre poulet. Et à nouveau, un petit peu de sauce blanche. Voilà. Vous roulez comme le premier, en serrant bien pendant que vous le roulez. Et pareil, vous le mettez au grill pendant 2 minutes. Et le tour est joué. Ça y est. Bon, pareil, hein, c'est des recettes qui sont peut-être qui vous paraissent compliquées, hein, mais non, en fait, c'est surtout très très long. Donc pareil, il faut être à la maison pour faire tout ça. Vous voyez ce que ça donne? Ça a grillé un petit peu au grill, c'est important, ça donne un petit peu de croustillant, c'est très très bon. Donc je vous le coupe en deux pour vous montrer l'intérieur. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire la pâte très fine, c'est important. Parce que sinon, il va être trop trop lourd votre sandwich et ce ne sera pas agréable à manger. Vous voyez l'épaisseur, il n'a pas d'épaisseur, c'est très bien. Quand vous faites votre pain, étalez-le vraiment de la manière la plus fine possible. Bah, je vous dirais que les enfants, ça c'est sûr, hein, ils adorent. Hein. Ça reste un sandwich, mais bon, c'est du fast-food fait maison. Vous savez ce qu'il y a dedans.
Et c'est vous qui dosez, donc c'est quand même meilleur. Voilà. J'espère que ça va vous donner envie de reproduire la pâte à pain et pourquoi pas la sauce, ainsi que la marinade du poulet. Voilà, la recette arrive à la fin, donc je vais vous laisser. Je vous remercie tous pour votre fidélité, puis vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!